Mes chers compatriotes, je vous disais tout à l'heure qu'il fallait s'y attendre. Nous avons fini les problèmes politiques et il fallait attaquer les problèmes économiques. Il ne peut en être autrement. Il faut que nous soyons économiquement indépendants. Vous savez, mes amis, quand vous êtes en brousse comme chasseur, il ne faut jamais tenter de tirer sur un buffle si vous n'êtes pas sûr de l'abattre sur place. Si j'étais mort, il aurait gagné. Je ne suis pas mort, c'est moi qui ai gagné. Ainsi, militantes et militants, mes chers compatriotes, je vous ai dit, c'est maintenant que nous avons déclenché le combat économique. Qu'est-ce qu'il faut faire dans cette affaire? Ils m'ont pas eu. Je les ai eu. Désormais, la décision que nous prendrons lundi, le post-fact, désormais, rien ne doit sortir sans verser l'argent. Je disais que la décision que nous prendrons lundi, désormais, rien ne doit sortir du Togo sans verser, sans avoir versé l'argent dans une des banques togolaises ici. Et militantes et militants, militantes et militants, les ressources togolaises doivent profiter aux Togolais. Et maintenant, après tout, ce qu'on nous a traité de tout, que nous avons nationalisé, nous avons fait telle chose, à partir de lundi, nous décidons de prendre les 49% restants. Je vous prie d'écouter un survivant de l'accident de Sarakawa. Il vient à Paris, nous nous rencontrons, évidemment, moi j'arrivais de province, et c'est là qu'il me raconte, mais d'emblée, dans une confiance totale. Alors on ne s'était pas vu depuis 61, jusqu'à 68, il me raconte tout, tous ses projets, il faut tout faire là-bas, j'ai besoin de moi. Mais moi je lui dis, mais je n'ai pas les moyens, je n'imaginais pas comment aller en Afrique, c'est cher ça, et je ne donne pas suite. Et on s'est vu plusieurs fois, puis un jour, on se rencontre à Paris, ici à côté, je lui fais le geste, mais je dis mais j'ai pas les moyens moi. Et il me dit, mais c'est ça qui vous fait nous refuser. Mais l'État, pour une fois, qu'on aurait un coopérant qui nous aime, et bien je viens tout de suite. Et c'est comme ça qu'au mois de janvier 1974, je suis parti là-bas. On se voyait tous les ans. Mais je suis parti. Il n'y avait pas de limite. Sarakawa a tout arrêté. Mais nous avons gardé contact, on se voyait à Paris. Et en 1977, il m'a dit, maintenant,
vous pouvez revenir terminer le voyage inachevé. Il m'avait conseillé de ne pas venir pendant 3 ans à cause de l'inimitié franco-togolaise autour des affaires du phosphate. Vous ne pouvez pas savoir les pressions que j'ai reçues alors que j'étais emmailloté de bandeaux et tout ça, dans l'avion qui me ramenait de Lomé après l'accident, les pressions que j'ai reçues pour dire des choses sur ce qui est arrivé à Sarakawa. Et ma position était de dire, j'ai vu l'accident, mais je ne sais rien du pourquoi. Dans le monde en général et en Afrique en particulier, Dieu est partout. Omni, 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 omni. Alors on a dit, il y avait un pasteur avec lui, son pasteur. Donc il a été, je dirais simplement, certains sont morts. Nous avons eu la chance, le miracle, comme on voudra, de sortir vivant de quelque chose d'incroyablement mortel. Je me souviens un jour, croisant un groupe de touristes qui venaient du Burkina, et quand les deux chefs de groupe se sont rencontrés, le chef de groupe me dit à moi, ils vont vous faire croire qu'il y a eu des survivants là-dedans, mais c'est pas possible. Et je les regardais en souriant, j'étais un survivant. Alors, Eyadema, ce jour-là, il est vrai. Quand je l'ai aidé à sortir de la carlingue, il était blessé aux jambes et à la face. Dès qu'il a été en état de comprendre que c'était un accident, et non pas qu'il était assommé comme tout le monde, il est parti dans la brousse pour se dégourdir les jambes. Et c'est à ce moment-là que les gens, son escorte, qui était venu l'attendre, sont arrivés sur les lieux à travers la brousse et qui criaient partout, le président, il est mort. Et il est arrivé. Et il a eu cette phrase parfaitement biblique. Mais pourquoi pleurez-vous? Je suis là. Je suis vivant. Tout le monde a cru. Beaucoup ont dit qu'il y a des mains n'étaient pas dans l'avion. Je peux vous dire qu'il y était. Alors, mon épouse, comme tous ceux qui étaient dans l'avion, à part moi, n'ont pas vu venir l'accident. Moi, je l'ai vu venir. Donc, j'ai dû, comme on dit, serrer les fesses. Ça a amorti tous les chocs. Ma femme était à côté de moi, a eu les mêmes chocs que moi, mais elle était en morceaux. Double fracteur de la mâchoire, 10 côtes brisées, complètement. Elle a été ramenée au Val-de-Grâce à Paris, où, alors qu'un autre des pilotes a fini par mourir au bout de 8 jours, elle a été opérée et sauvée intégralement sans séquelles. À 15h35, se profila à l'horizon le DC-3 présidentiel. L'avion prit alors un long virage qui devait finir, hélas, dans un bruit fracassant. Le chauffeur du président ne trouva que des cadavres et des blessés. N'ayant pas vu le chef de l'État, crut qu'il avait péri sous les décombres. Il nous arrêta à mi-chemin et nous dit en levant les bras vers le ciel, « Le patron est mort. » Et nous avons repris notre course désespérée jusqu'à l'épave où nous devons découvrir l'horreur de la catastrophe. Les uns étaient déchiquetés, les autres blessés, d'autres encore déliraient avant de rendre l'âme. Le cœur serré, les yeux en larmes, nous fouillons désespérément dans l'avant de ferraille. Où est-il? Où pouvait-il être? Mais le président était introuvable. Quand soudain, il apparut parmi nous avec ses habits déchirés et tout couvert de sang. Pourquoi pleurez-vous? Nous demanda-t-il. Mon général, faut-il vous amener à l'hôpital? Non, répondit-il, je vais à Pia et non à l'hôpital. Un moment s'écoula. Puis, il vint au balcon de sa maison et d'une voix rassurante, me dit, Améi,
va, retourne sur les lieux pour t'occuper des autres. Togolaises, Togolais, nous avons vécu ensemble dans la nuit du 23 au 24 septembre l'agression venue de l'extérieur et dirigée contre notre pays par un commando terroriste puissamment armé. Ce commando s'est infiltré dans notre capitale pour essayer d'attenter à notre vie, de désorganiser l'armée, de déstabiliser le régime et de remettre en cause la paix, la stabilité politique et la sécurité dans lesquelles nous vivons depuis bientôt 20 ans. Votre armée, qui a énergiquement réagi, a mis en déroute les agresseurs et mis hors de combat quelques-uns, a fait plusieurs prisonniers et a saisi un stock impressionnant d'armes, de munitions et plus de 100 kilos d'explosifs. Cet événement a démontré combien le peuple et l'armée sont unis comme un seul homme. Vous vous êtes levé pour défendre la patrie en danger et vous l'avez fait aux côtés de vos forces armées dans l'ordre, la discipline et la vigilance. Je voudrais ici exprimer à vous tous, femmes, hommes, jeunes gens, jeunes filles, élèves, étudiants, travailleurs, mes vives et chaleureuses félicitations pour votre courage, votre patriotisme, votre engagement politique, votre sens élevé du devoir, de l'honneur et de la dignité nationale. Vous pouvez être fiers de votre armée qui, devant cette épreuve, a montré combien elle est unie, fidèle à la nation, car les agresseurs n'ont pas pu faire un seul complice parmi les officiers, sous-officiers, gendarmes, marins, aviateurs, caporaux-chefs, caporaux et soldats. C'est en votre nom à tous que je tiens à rendre ici hommage aux forces armées togolaises pour la rapidité, l'efficacité, le courage, l'ordre et la discipline avec lesquelles elles sont intervenues
pour repousser les agresseurs et surtout pour la cohésion, l'unité et la solidarité dont elles ont fait preuve face à l'entreprise meurtrière des ennemis de la nation. Mes chers compatriotes, vous avez le droit de savoir la vérité, toute la vérité sur les événements tragiques que nous venons de vivre. C'est pourquoi des révélations sur cette affaire ont déjà été portées à votre connaissance. L'enquête se poursuit et au fur et à mesure que les terroristes arrêtés feront d'autres aveux, ceux-ci vous seront communiqués. L'arsenal de guerre saisi sur l'ennemi sera présenté aux populations de Lomé et des autres localités du territoire afin que chaque citoyen puisse se faire une idée réelle de l'ampleur de la violence et que cette attaque aurait eu si elle n'avait pas été déjouée. Comme vous le savez, c'est dans le malheur que l'on apprécie le mieux les preuves de l'amitié. En raison des liens historiques et traditionnels, d'amitié et de solidarité qui unissent la France et le Togo, le président de la République française, M. François Mitterrand, a accepté, à notre demande, d'envoyer chez nous, dans le cadre des accords de défense conclus entre nos deux pays, une assistance militaire en hommes et en matériel logistique. C'est au nom du peuple togolais tout entier que je tiens ici à remercier du fond du cœur les autorités françaises pour leur soutien qui ne nous a d'ailleurs jamais fait défaut. Soldats de l'armée française qui, dans le cadre de cette mission de solidarité, se trouvent aux côtés de vos frères d'armes togolais, je voudrais vous souhaiter la bienvenue et vous inviter à vous sentir ici comme chez vous, tout comme hier, sur le champ de bataille, les soldats togolais se sont sentis dans votre pays comme chez eux. Nous avons été très réconfortés par les messages de soutien et de solidarité qui nous sont parvenus des pays amis à travers le monde entier. Je voudrais ici renouveler toute la gratitude du peuple togolais au président Félix Mfouet-Boigny, notre doyen, qui nous a dépêché une forte délégation quelques heures à peine après la neutralisation des assaillants. Le président Mobutu Sese Seko, dès qu'il a appris la nouvelle de l'agression dont notre pays a été victime, a non seulement réuni son état-major et décidé de nous venir militairement en aide, mais a tenu à se rendre personnellement à Lomé pour apporter son soutien au peuple togolais. Je voudrais ici renouveler les vifs remerciements du peuple togolais au président Mobutu. Quant à vous, soldats zaïrois, vous devez vous sentir au Togo comme au Zaïre, tout comme vos frères d'armes togolais, hier, à vos côtés dans le Chaba, se sont sentis comme chez eux. Je voudrais également exprimer à nouveau notre gratitude au président Samuel Doe, qui a fait le déplacement de Lomé
pour nous témoigner de vive voix les sentiments d'amitié et de solidarité du peuple frère du Libéria. L'importante mission que le président Baba Guida, président en exercice de la CEDEAO, a dépêché auprès de nous et le soutien que son gouvernement nous a apporté nous ont profondément touchés et nous voudrions ici l'en remercier vivement. Le message très chaleureux et la mission d'experts militaires que le président des États-Unis, M. Ronald Reagan, nous a adressé ont été motifs de réconfort pour le peuple togolais. De même, l'attention particulière qu'il a accordée à la situation créée dans notre pays et dans la sous-région après cette agression nous a confortés dans le sentiment que le Togo dans cette preuve a le soutien des États-Unis d'Amérique qui ont vivement manifesté leur volonté de rechercher en commun avec le Togo les voies et les moyens pour combattre le terrorisme sous toutes ses formes.